Et bienvenue au Festival de la Poutine, le Festival de la Poutine le plus gros au monde, bien entendu. On est à Drummondville, c'est à Drummondville que ça se passe depuis maintenant 16 ans. Donc, on est à la 16e édition du Festival de la Poutine. Il y a des gros noms ce soir. Roxane Bruno, en fin de semaine, il va y avoir Fouki, les Cowboys Fringants. Qu'est-ce qu'on retrouve au Festival de la Poutine? Bien sûr, à part les artistes, ben c'est de la poutine. Il y en a des tonnes de choix, des tonnes de restos, des tonnes de food trucks. Beaucoup de choix de poutine. On a entendu parler de poutine au poulet piri-piri aujourd'hui. Toutes sortes de poutines. Il y en a beaucoup que je vois, que je reconnais. Il y a Dezo devant moi. Dezo, j'ai goûté à ça pour la première fois il y a environ un mois. Ils font des poutines exceptionnelles. Chez Louis, c'est toujours, c'est un indispensable. Regardez, il y en a plein. Je ne sais plus où donner de la tête. Voyez-vous, je regarde même pas la caméra en ce moment. Il y a trop de poutine partout. Je suis excité. On va essayer de rencontrer des gens, poser des petites questions. Qu'est-ce qu'ils pensent de la poutine? Qu'est-ce qu'ils pensent du festival? Amusez-vous! Bonjour Drummondville, nous sommes présentement avec Mme Stéphanie Lacoste, notre mairesse. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Je vais merveilleusement bien. Pourquoi? Où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes au Festival de la Poutine! Je crois que c'est le plus gros festival à Drummondville. Effectivement, c'est notre événement phare, je dirais. Depuis qu'on a pu le Mondial des cultures, une chance qu'on ait le Festival de la Poutine. Alors, il y a beaucoup d'artistes ce soir. Êtes-vous excité de voir quelqu'un en particulier? Pendant les trois jours, là, c'était une programmation assez exceptionnelle, mais mon coup de cœur à moi personnel, c'est sûr que c'est les Cowboys Fringants. Très contente qu'ils puissent venir malgré tous les soins qui doivent être prodigués. Alors, on est vraiment contents, très, très heureux, puis c'est sûr que je vais être là, puis je vais les applaudir chaleureusement. Quelle est l'importance d'un festival comme celui-ci pour l'économie de Drummondville? Que ça fait vivre, entre autres, le centre-ville. On permet de découvrir aux gens qui viennent ici le haut centre, nos bonnes tables. Souvent, les restaurateurs participent et offrent une poutine spéciale. Donc, ça nous permet de faire découvrir Drummondville aussi aux gens de l'extérieur et aux gens locaux, bien, de s'amuser avec des gros noms quand même. Là, les petits gars de Drummondville, là, les trois accords qui organisent ça cette année, ils se sont donnés. Ils sont vraiment exceptionnels dans leur programmation. Et la ville est très, très fière de les soutenir dans ce projet-là, année après année, parce que ça fait rayonner la ville à travers le Québec. Tout le monde en parle du Festival de la Poutine. Ben oui, je vous remercie. Merci d'avoir pris votre temps. Puis je vous souhaite un excellent festival. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. C'est jeudi. Et oui, il fait frais tout l'été. Donc on va se coller un peu. Hein. Je ne sais pas trop quelle température qu'on a encore. Mais au moins, vous êtes là. Merci d'être ici. J'aimerais ça que vous fassiez du bruit pour vous. Merci d'être là. Faites du bruit pour vous. Allez. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort.
Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Alison Pétrin! Comment ça va, Draman? Yes. Je suis vraiment très, très, très heureuse d'être ici ce soir, de faire un festival qui est organisé par des gars de chez nous. Je suis née et grandie à Drummondville. C'est vraiment une fierté pour moi d'avoir été approchée pour faire le festival cette année. Et c'est des chansons originales que je fais en fait tout le long ce soir. Puis j'espère que vous allez avoir du fun autant que j'en ai eu à créer ce show-là. Bonjour, donc en ce moment, on est avec Stéphane Jacob, propriétaire du Gros Dur, le Gros Dur. Comment allez-vous, Stéphane? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Je me demandais, est-ce que c'est votre première année ici au Festival de la Poutine? Non, en fait, ça fait 8 ans qu'on vient parce qu'on a 4 food trucks, on a 2 restos, donc on fait comme une rotation de toutes nos choses. Ça doit être beaucoup d'organisation. Ouais, c'est pas mal d'organisation, ouais. Puis côté Festival de la Poutine, est-ce que ça vous a aidé dans votre carrière? Bien, c'est sûr que le Festival de la Poutine, c'est le summum au niveau des festivals de la Poutine. Donc oui, c'est sûr que c'est le fun. Ça nous donne une grosse visibilité. Le fait qu'on vient ici, c'est sur invitation. Ça fait que c'est toujours intéressant. Fait que quand le monde savent que tu fais le festival, c'est comme si t'étais une coche au-dessus un peu. Là. Absolument. Puis là, tu sais, on est à Drummondville. Vous situez où? Nous, on est de Montréal. En fait, les food trucks sont basés à Terrebonne. Mais notre cœur est à Drummondville. On adore la ville de Drummondville. La poutine, c'est à nous. Puis j'imagine qu'on vous adore aussi. C'est quand même votre 8e invitation. Ouais. Fait que félicitations en même temps. Bien, merci beaucoup. Oui, Drummondville est dans notre cœur. Les gens ici, oui, nous ont adoptés dès la première année. Puis on sent l'amour à tous les fois qu'on vient. On adore ça. Là. Qu'est-ce que vous pensez de l'édition de cette année? Bien, cette année, je trouve que l'organisation, ils ont steppé up un peu. Ils ont vraiment mis le paquet pour accentuer sur la poutine plus que d'habitude. Donc, accentuer les restaurateurs, je suis désolé. Donc, c'est sûr et certain que de la manière qu'on est placé, on est un peu différent. Puis aussi, ça donne une accessibilité plus facile aux clients de venir au camion. Donc, on aime vraiment ce qu'ils ont fait cette année. Absolument, oui, c'est très beau. Il y a beaucoup de monde, hein? Je me demandais comment vous avez commencé à faire de la poutine? Bien, en fait, moi, je suis chef. Je suis 4e génération de chef. Toujours dans la cuisine classique, donc de la nappe blanche, la cuisine gastronomique, tout ça. Puis à un moment donné, bien, moi et ma femme, on a décidé de se partir en affaires, mais on voulait se faire un food truck parce qu'on aime le festival, l'accessibilité, tout ça. Puis pour nous, c'était... On va faire de la poutine, mais on va la rehausser pas mal. Donc, nos recettes, c'est tous des trucs travaillés. T'sais, comme notre sauce, là, c'est un vrai fond de veau avec bière, bacon, oignon caramélisé. Wow. C'est pas une sauce en poudre avec de l'eau. Donc, il y a ça. Le fromage est travaillé. Nos frites sont vieillies 1 an à 55% d'humidité pour sortir le sucre. Donc, sont plus sucrées. Donc, on a fait une poutine, mais on l'a comme élevé un peu parce que c'est quand même un mec qui est vraiment... C'est un mec quand même complexe. C'est important de le dire. T'sais, si on parle à une tartiflette en Europe, ben c'est un mec et waouh, le monde dit waouh, mais c'est l'équivalent à poutine au Québec. Donc, il fallait qu'il y ait un peu d'amour mis là-dedans. Là. T'sais, c'est la première fois que j'entends ça. Premièrement, faire vieillir ses frites pendant 1 an, c'est quand même super intéressant. C'est le fun de le savoir, c'est ça. C'est bon que la poutine se soit travaillée aussi. Parce que moi, la poutine, on dit que les humains sont faits à 70% d'eau. Moi, je suis pas mal sûr, je suis quand même un 70 poutine. Fait que c'est bon de mettre de l'effort dedans. Comment s'est passée votre première poutine? Donc, moi, mes parents sont Québécois, mais je suis né en Ontario. Je suis né à Sudbury, Ontario, de parents Québécois. Mais j'ai goûté ma première poutine, j'avais à peu près 10 ans quand on est revenu au Québec. On est revenu habiter au Québec. Puis j'avais goûté une poutine, c'était à Drummondville. Je me souviens pas le nom du resto, mais il est encore là. J'ai passé devant l'autre jour. Puis pour moi, c'était une découverte là, extrême. Là. J'avais 10 ans, puis c'était comme « wow, c'est quoi cette affaire-là? » Parce que c'est comme inconcevable quand t'es pas du Québec, une poutine. T'sais, des frites, de la sauce, du fromage, c'est de l'air simple, mais ça l'est pas. Ouais. La poutine, c'est merveilleux. Je suis content que vous, en particulier, vous l'ayez découvert. Ouais, c'est ça, parce que vous avez fait quelque chose de beau avec ça. Puis c'est un art que vous sembliez bien maîtriser. Merci, c'est gentil. Merci à vous. Donc, on est avec une nouvelle star de la poutine. On a affaire à Chef Will aujourd'hui, qui a 14 ans. C'est le fils de Stéphane, propriétaire du Le Gros Dur. Comment ça va? Bien. Bien?
J'ai entendu dire que tu étais chef, que tu avais tes propres poutines. C'est tes spécialités à toi? Ouais, j'ai fait tout à base. C'est moi qui ai fait les recettes, c'est moi qui ai pensé. C'est moi qui ai fait tout pour avoir le food truck ici. C'est vraiment bon à 14 ans d'entreprendre quelque chose comme ça. Tu peux être fier de toi, je pense. Tu veux-tu nous parler un peu de tes recettes? Ben, ma préférée, on a la poutine mac and cheese poulet au sud. Alors, c'est mac and cheese, sauce comme nacho fromage avec un poulet pané. Aussi, on a une poutine crabe rangoon. C'est crabe fromage crème mélangé avec des chips wonton dessus. On a la poutine par Hong Kong. Puis c'est comme chinois barbecue style. Aussi, on a le Mac Attack. C'est Big Mac fait dans une poutine avec une sauce Big Mac dessus. C'est toutes tes inventions à toi. Ça, c'est vraiment fort, honnêtement. J'ai déjà dit à ton père, mais on est content, je pense, que vous soyez tombé sur la poutine et que vous ayez fait quelque chose de beau comme ça avec. C'est quoi le secret? C'est quoi que ça prend pour qu'une poutine soit vraiment réussie? Je trouve qu'une poutine très bonne, c'est le cuit de les frites, le goût de le fromage, mais aussi la sauce est vraiment important. Parce qu'il y a beaucoup de places, il y a des sauces en poudre, mais nous autres, on fait notre sauce par un compagnie, mais c'est fait juste pour nous autres, vraiment spécial. C'est super, merci beaucoup. Merci. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Laurent Proux, propriétaire du food truck Le Vieux Saint-Charles. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va merveilleusement bien. Je veux savoir, est-ce que c'est ta première année ici au Festival de la Poutine? Non, c'est ma sixième année qu'on participe en ligne avec plusieurs de nos restaurants. Cette année, c'est le tour du Vieux Saint-Charles. Donc, on travaille avec un poulet portugais mariné, qui était saumuré mariné, qu'on finit sur charbon de bois, qu'on, l'équipe des os en dedans, fait une galvaude au poulet piri-piri. Donc, avec les petits pois et tout ça. Ça me parle. J'adore le péripéré. J'adore la poutine. C'est un bon mix. Je me demandais comment tu as commencé à faire de la poutine. Mon père a fait ça 30 ans avant moi, dans un petit restaurant de campagne, pas loin d'ici, qui s'appelle le restaurant canadien. J'ai repris ça. Ensuite, on a acheté d'autres restaurants. On a acheté le Roi Giuseppe ici à Drummondville, là où la poutine a été inventée. Vous avez acheté le Roi Giuseppe? Oui, le Roi Giuseppe, c'est à nous. Wow. Puis le Vieux Saint-Charles aussi fait partie du groupe. Puis on a pas des food trucks sur différentes bannières. Bien, c'est assez impressionnant. Fait qu'on peut dire que vous connaissez ça, la poutine, là, dans ce cas-là. Oui, il y a deux fourchettes d'or qu'on gagne ici. Une avec le Canadien, une avec le Giuseppe. Félicitations. Pouvez-vous me raconter l'histoire de la poutine? Bien sûr, mon ami. Alors, le mot poutine vient de Warwick. Il est vrai de dire que le mot poutine vient de Warwick. Par contre, il n'y a jamais eu de sauce à Warwick. C'est des frites et du fromage en grains dans un petit sac en papier brun. Mais ça s'appelait de la poutine. Mais le mot poutine circulait au centre du Québec dans ces années-là. Monsieur Roy, lui, a été le premier au Roi Giuseppe. Il était saucier de formation, il faut le savoir. C'était un chef en sauce. C'est un métier qu'on voit de moins en moins aujourd'hui, mais c'est un chef saucier. Il a travaillé au Reine Élisabeth, tout ça. Puis il s'est dit, moi, frites, fromage en grain, je mettrais de la sauce là-dedans. Alors, c'est documenté, notamment par le professeur Charlebois, qui est un expert en agroalimentaire, c'est documenté que frites, fromage et sauce ensemble, qui est la version qui a connu le succès, ça vient de Drummondville. C'est M. Roy qui a mis les trois ingrédients ensemble. C'est la première personne qui a mangé du steak haché puis du blé d'Inde ensemble. Ça, pas du pâté chinois, là. Il en manquait un bout important en plus. Fait que ça vient vraiment de Drummondville, mais la parenté du mot vient de Warwick. Bien, c'est le fun qu'on démystifie ça, parce qu'honnêtement, c'est ça, c'est vraiment pas tout le monde qui sait ça. Moi-même, d'ailleurs, je sais pas au courant de ça. Il y a beaucoup de gens qui se demandent ça vient d'où, justement. Qui l'a inventé pour vrai? Moi, je suis patriotique, j'ai toujours dit que c'est Drummondville qui l'avait inventé pour sûr, c'est le Roi Giuseppe. Mais le mot poutine qui vient de Warwick... Il faut leur donner, le mot vient de Warwick, mais vraiment, puis il y avait des frites. D'ailleurs, si vous venez au Giuseppe, il y a un petit trait comique, vous pouvez acheter une poutine, pas de sauce dedans, qui s'appelle la spéciale Warwick. On fait ce petit clin d'œil-là à nos amis de Warwick. On dit un petit paragraphe explicatif qui dit que c'est servi comme en 1957 à Warwick, c'est-à-dire pas de sauce. Mon ami va aimer ça, être allergique au gluten, c'est le même qui apprend ses poutines partout. Mais je sais que vous avez une option, par exemple, poutine sans gluten, avec des patates de navet, tout ça. Des patates de céleri rave. Céleri rave. Oui, céleri voilà. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de ta première poutine à vie? Je m'en rappelle pas. C'est sûr que c'était au restaurant de mes parents quand ils ont commencé. Donc, ça remonte à très jeune. Mais la recette de sauce de ma mère, on l'utilise encore aujourd'hui au Canadien. Donc, je vais avoir 5-6 ans.
J'ai grandi dans une cuisine de restaurant. J'ai grandi dans poutine, moi. Donc, on a appris aussi que vous avez pris une initiative spéciale pour les gens peut-être un peu plus dans le besoin qui aimeraient ça vivre l'expérience du Festival de la poutine. Ben, il faut savoir qu'on est au centre-ville de Drummondville ici. La tablée populaire, mes amis servent la soupe populaire, sont à un coin de rue. On est vraiment dans l'épicentre des besoins. Quand on installe, nous, en début de semaine, on le voit là, qu'il y a des gens qui regardent ça aller pour ça. Fait qu'on a décidé de faire un off Festival de la poutine le vendredi midi. Le Giuseppe envoie 120 poutines pour tous les utilisateurs de la tablée du midi. Puis on mange la poutine avec eux. Les gars des Trois Accords viennent livrer ça avec moi. Puis c'est festival pour tous, dans le fond. Ça met tout le monde dans l'ambiance, autant eux que nous. Nous, on passe une meilleure fin de semaine après. Cœur léger, c'est le fun. Puis ça fait un petit spécial pour tout le monde. C'est vraiment une belle action. C'est super fin de votre part. Puis c'est le fun, c'est ça que vous avez dit. Les gens qui puissent peut-être pas se le permettre à participer comme ça, c'est vraiment fin. Il faut que ce soit festival pour tout le monde. Nous, on tripe ça. On pense qu'il faut s'amuser avec tout le monde. Absolument. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, c'est maintenant officiel. On connaît l'histoire de la poutine. Ça a été démystifié par Laurent. Merci beaucoup. Fait qu'il n'y aura plus de chicane, là. La poutine, ça a été créé à Drummondville. Le mot vient de Warwick. Puis, voilà. Donc aujourd'hui, on est avec un propriétaire de pharmacie. Comme quoi, c'est pas parce qu'on est pharmacien qu'on n'aime pas la poutine. Bonjour Simon, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va merveilleusement bien. Est-ce que c'est ta première fois au Festival de la poutine? Non, je suis là depuis le début, même quand c'était au Parc Audiat. Depuis le début? Yes. Fait que c'est ta 16e fois? Ouais, première fois c'était en 2008, c'est ça au Parc Audiat. Je pense que les choses ont un petit peu changé depuis. Mais il me semble qu'avant on avait des bars à poutine, ça se peut-tu? Je t'avoue, je m'en rappelle pas. Ça t'en rappelle pas, hein? Parce que il me semble qu'avant c'était des bars à poutine, puis on choisissait comme nos frites, notre fromage, notre sauce peut-être même. En tout cas, y a-t-il des artistes que t'es content de voir ce soir? Hey, Roxane Bruno, c'est sûr. Hey, oui. Moi aussi, absolument, on l'adore. Là, tu vas manger au Gras Dur. Exactement. Ça va-tu être ta première fois là-bas? Oui. Ouais, on a parlé avec le propriétaire, ça a l'air excellent. Son fils fait des poutines aussi, il y a comme une dizaine de recettes. Moi, j'essaierais ça, for sure, mais... Je vais l'essayer, je vais l'essayer. Ouais. Juste... Merci beaucoup. Bonne journée. En ce moment, on est avec Élise. Élise, bonjour. Salut. Comment ça va? Bien, toi? Ça va merveilleusement bien. J'ai vu que tu faisais de la sauce, en fait. Oui, sauce piquante. On vient de Montréal. Fait que c'est tout nouveau pour nous, le Festival de la poutine en fin de semaine. Ben cette semaine, plutôt. Donc, c'est ta première fois? Oui. Fait que c'est ça. Dans le fond, on fait un petit kiosque de sauce piquante. En fait, c'est une première, je pense, pour le festival d'avoir autre chose qu'un food truck là, de poutine. Fait qu'on vient de Montréal, comme je disais, j'ai les sauces, elles sont faites, elles sont véganes, elles sont naturelles. Donc, un très bel ajout pour les poutines. Absolument. Est-ce que c'est toutes tes sauces qui sont véganes? Absolument. Oh, wow! OK, c'est vraiment nice. C'est actuel aussi, c'est super bon. Je voulais te demander, en fait, ouais, on parlait avec un poutinier tout à l'heure. Il disait qu'il n'y a plus beaucoup de chefs sauciers, en fait. Des personnes qui font juste de la sauce. Toi, tu te spécifies vraiment là-dedans, fait que c'est drôle qu'il ait dit ça. Oui, vraiment. Ben, en fait, je suis toute seule aujourd'hui, mais on est deux dans la compagnie. J'ai mon partenaire qui, lui, c'est vraiment ça, sa job, là, de faire de la sauce. Faire de la sauce. Fait que, ouais, non, c'est pas mal ça, sa spécialité. Merci beaucoup. Puis toi, personnellement, est-ce que c'est la première fois que tu viens au Festival de la poutine? Oui, comme je te disais tantôt, c'est la première fois que je participe. Y a-tu des artistes que tu es excité de voir? Ben là, j'ai hâte de voir tout le monde, là! En plus, j'ai comme le stage là! Fait que oui, full, les cowboys fringants! J'ai un petit soft spot pour les cowboys, bien sûr, absolument. Mais j'ai hâte de voir tout le monde. Parfait! Puis c'est quoi ta relation avec la poutine, toi? Est-ce que t'as toujours aimé ça? Est-ce que tu te rappelles de ta première poutine? Ben, moi, je viens de Québec. Okay. Fait qu'il y a toutes les Ashton, là, de poutine. Okay. Fait que ma première poutine, c'était ça. Okay. Mais maintenant, j'habite à Montréal. Fait qu'on a la banquise. Ils font des poutines extra, là, de toutes sortes d'affaires. Fait que je suis chanceuse, j'ai ça à côté de chez moi. Fait que ma relation avec la poutine, je te dirais, vers 3-4 heures du matin, ouais. On va aller chercher une bonne grosse poutine. Ouais, absolument. Moi aussi, je partage ça. Mais toutes les heures de la journée, en fait, sont bonnes pour une poutine, mais à 3-4 heures, à hit different.
Merci beaucoup, Élise. On est au Festival de la Poutine. Je me demandais, est-ce que c'est votre première fois ici? Oui, c'est la première fois qu'on vient ici. Première fois? Première fois? Oui. Est-ce que vous êtes venu pour des artistes, pour la Poutine? Les deux. Quels artistes en particulier ce soir vous aviez hâte de voir? Roxane Bruno. Puis côté Poutine, est-ce que vous découvrez quelque chose en ce moment ou vous êtes allé avec une valeur sûre? On est allé pour le premier qui passait. Le premier qui passait, c'était lequel, ça, finalement? Poutine Factory. OK. Puis à date, c'est-tu bon? C'est-tu pas pire? Vous n'êtes pas déçu de votre expérience? Allez-vous revenir? Ouais. Est-ce que vous vous rappelez de votre première poutine? C'est quoi votre relation avec la poutine? Quand est-ce que ça a commencé, Sim? Ouais. Ça a tout été dans notre quotidien, là, ouais. La poutine. Une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps? Pas trop souvent? Non. Moi, je suis assez souvent. Ben, merci beaucoup, monsieur. Puis je vous souhaite une bonne soirée, bon festival. Donc, en ce moment, on est avec Isabelle de Tourisme Centre du Québec. Bonjour Isabelle, ça va bien? Merci, oui. Oui, moi aussi, ça va très bien, même si vous ne me l'avez pas demandé. Excusez-moi! Donc, vous êtes de chez Tourisme Centre du Québec. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, au Festival de la Poutine aujourd'hui? Bien, on représente le tourisme au Centre du Québec. Donc, si les gens veulent en connaître davantage, quoi faire au Centre du Québec, donc à Drummondville et ses alentours, bien, nous, on peut les renseigner là, facilement. Des fois, les gens, bien, beaucoup de gens viennent de l'extérieur là, pour venir au Festival de la Poutine. Donc, c'est l'occasion de faire connaître notre belle région. Bien, c'est super le fun, ça, premièrement, parce que beaucoup de fois, on entend qu'est-ce qu'il y a à faire à Drummondville. Les gens se demandent, c'est une petite ville, puis des fois, on se pose des questions. Fait que c'est le fun que vous ayez un endroit comme ça, en fait, pour aider les gens à trouver des petites activités. Ouais. Quel genre d'activité vous proposez? Il y a plein d'activités là, à Drummondville. Là, tu peux faire plein de choses, mais c'est aussi à l'extérieur. Fait qu'on a une belle brochure là, qui donne une panoplie là, d'idées. Une belle carte aussi avec tous les attraits, hébergements, restauration, des places pour aller manger de la poutine. Donc, qu'on peut offrir aux gens là, pour qu'ils puissent en connaître davantage sur notre région. Bien, c'est super le fun. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, Tourisme Centre du Québec, sur les réseaux sociaux, très facile à suivre. Parfait, merci beaucoup. Puis je me demandais, aujourd'hui, vous êtes au Festival de la Poutine. Oui. Est-ce que vous êtes excité de voir des artistes en particulier? Il y en a-t-il qui vous parle? Ben oui! Ben, la programmation est magnifique en passant. Ouais. Donc, on a pour tous les goûts. Mais là, ce soir, c'est du mort, Roxane Genet, les louanges. Donc, on a tout doux pour se plaire, là. Absolument. Puis côté poutine, qu'est-ce que vous pensez? Bien, déjà, nous, on invite les gens à passer nous voir pour connaître l'histoire de la poutine. C'est ce qu'on démontre ici. On met en scène M. Fritte et Mme Fritte, là, puis on en fait une petite histoire d'amour pour mettre en valeur l'histoire. Alors, déjà là, on invite les gens à venir se renseigner sur les origines de la poutine. Mais je dirais, là, peut-être sur le site ici, il y a beaucoup d'offres, là, vraiment, là, c'est diversifié. J'aurais de la difficulté à t'en nommer une précisément, mais je te dirais plein la gueule, est vraiment nice. Même chose pour celle du vieux Saint-Charles. Ouais. Donc, puis c'est du monde de chez nous, fait que c'est sûr qu'on aime les valoriser. Absolument, je suis bien d'accord avec vous. C'est ça qui est super le fun. Moi, je suis content d'être Drummondvillois à cause de ça. La poutine, ça vient de nous autres. En partie, bien, principalement. Bon, tantôt, on a parlé de l'histoire de la poutine avec un poutinier du vieux Saint-Charles. Puis, il nous a parlé que le mot poutine venait de Warwick, mais que la poutine vient vraiment de Drummondville. Là. C'est nous qui avons mis tout ça ensemble. Bien, c'est ça. La version de la poutine, comme nous la connaissons aujourd'hui, effectivement, c'est le roi Giuseppe qui est en arrière de sa création. Mais effectivement, il a tout à fait raison. C'est Warwick là, qui a fait le mix là, de la frite et du fromage au départ. Mais la poutine, comme on la connaît aujourd'hui, là, c'est une gracieuseté du roi Giuseppe. Fait qu'on remercie le roi Giuseppe. Est-ce que tu as toujours aimé la poutine? C'est quoi ta relation avec la poutine? Est-ce que tu te rappelles de ta première poutine? Je me rappelle pas de ma première poutine. Moi, je viens de Victoriaville. Okay. Fait que longtemps, quand j'étais jeune, ben, je pensais que ça venait de là. Aujourd'hui, là, je comprends plus. Là, maintenant, je connais l'histoire. Mais je me rappelle pas de ma première poutine. Mais je suis une adepte de poutine. J'aime aller
en déguster dans des différents restaurants. Puis je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, c'est à travers la province là, qu'on peut en manger. C'est une identité québécoise, mais il faut être fier, là, ça vient de chez nous, au centre du Québec. Absolument, puis les gens, ils se forcent là, pour nous sortir des poutines exceptionnelles puis d'amener ça à un autre niveau. C'est rare qu'une poutine, c'est pas bon. En tout cas, moi, j'ai rarement expérimenté ça. Mais quand on est un vrai amateur de poutine, je pense qu'on a des petites attentes aussi. Puis ce soir, là, la plupart des gens ont l'air d'excéder toutes ces attentes-là. Les gens se donnent, puis je pense que c'est pas pour rien que les poutiniers sont invités. Ça a l'air d'être des très bonnes poutines. Effectivement, puis je pense que la clé, frites, sauce, fromage. Oui! Merci beaucoup, Isabelle. Gotcha! Bonjour les filles, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. À qui je parle? Marie. Noah. Marie et Noah, vous êtes ici au Festival de la Poutine ce soir. Ouais. Qui est-ce que vous êtes venu voir en particulier? Moi, c'est ça votre spectacle qui va commencer, là, duquel vous nous avez parlé. Ouais. Puis je me demandais, j'imagine que vous aimez la poutine aussi? Ouais. là, vous venez de manger. Ouais. Votre poutine, elle venait d'où? Elle venait de le gros dur. Le gros dur? Ça a l'air très bon là-bas, hein? Avez-vous été satisfaite? Ouais, une petite note sur 10? 100%? 100%, OK, ouais. Oui, je... Ouais. excellent. Puis je me demandais, est-ce que vous avez toujours aimé la poutine? Moi, je me rappelle pas de quand la première fois j'en ai mangé, fait que c'est comme un repas que j'ai... c'est comme dans mes veines, là. Ça a toujours fait partie de toi. D'après toi, la poutine, ça a été inventée comment? Sans faire exprès, il y a un pot de sauce qui est tombé dans les frites, un peu de fromage, ça a fondu, c'était bon. Puis c'est où que ça s'est passé? Ah oui. Ouais. OK, merci beaucoup. J'imagine que vous êtes des fans de poutine. Oui. Ouais. Là, vous avez choisi quel poutinier pour manger? Je sais plus. Le gras dur. Il y a beaucoup de gens là, qui ont choisi ça. Ça a l'air très, très bon. Puis, je me demandais, est-ce que vous vous rappelez de votre première poutine? C'est la poutine Saint-Hubert à Saint-Hubert. Ah ouais? C'était comment? Hyper bon. C'était bon? C'est très bon de la poutine. Je pense qu'il y a beaucoup de fans de poutine ici ce soir. Ouais. Est-ce qu'il y a des artistes que vous êtes venus voir? Roxane Bruno. Ouais. Puis à date, est-ce que vous aimez votre expérience? Ça va. À part que c'est un peu long pour aller chercher la poutine, hein? Ouais, il y a des grosses files. Mais je voulais vous remercier. Merci d'avoir pris le temps. C'est super gentil. Puis je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, merci. C'est où la meilleure poutine? C'est cette année. Non. Ça serait quoi selon toi? Je sais pas leur nom, mais ils ont des chandails lignés rouges. OK. Pour toi? Ben moi j'aime bien le roi Giuseppe. Là. Roi Giuseppe, c'est les inventeurs de la poutine, saviez-vous ça? Ouais? Ouais? Pour toi? Aucune idée. Toutes poutines sont bonnes, hein? Je suis bien d'accord avec toi. Puis pour toi? Ben moi aussi. Moi aussi, même chose? OK. Est-ce que vous vous rappelez de votre première poutine? Non. Non? Dans une petite cantine de quartier, là, avec la famille. Ils sont très bonnes, les cantines. Ils sont très bonnes. Puis y a-t-il des artistes que vous êtes contentes de voir? Cowboy fringant. Toutes les cowboys fringants? Ben, on aime ça, des cowboys. Ouais. Ouais. Mais ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps.
Bonjour, donc je suis avec Annie et Chantal de chez Plein la gueule. Vous, c'est votre première année ici au Festival de la Poutine? Ouais, exactement. Ouais. Comment vous trouvez ça? C'est le fun, c'est roche. C'est roche. On a des beaux commentaires. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la poutine, vous? C'était mon rêve de faire Saint-Tite. Okay. Et c'est pour ça que j'ai acheté ça. Parce que je fais Saint-Tite, c'est pour ça. On va sûrement se revoir là-bas. J'adore les cow-boys. Ça fait 3 ans que vous êtes à Drummondville. Comment ça se passe? Bien, nous, on en fait, c'est qu'on fait juste des festivals, là. Fait que je me promène d'une place à l'autre, mais je suis pas fixe. Okay. Mais je viens de Drummondville, oui. Fait que la poutine, c'est dans notre sang. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. C'est ça qui complète notre aventure au Festival de la Poutine, tout le monde, 16e édition. C'est vraiment le fun. C'est pas terminé. On a eu beaucoup de plaisir. Je suis super reconnaissant pour les poutiniers nous avoir parlé comme ça. Puis aux gens qui ont voulu participer, c'était vraiment le fun. On en a appris plus sur la poutine. Donc, musicalement parlant, on a été super bien servis. C'est vraiment bon. Écoutez. Wouh! Puis finalement, j'ai choisi la poutine de chez Will. On a parlé avec lui tantôt, il m'a accroché, j'étais vraiment curieux, sa recette de poutine, il avait l'air excellente. D'ailleurs, j'ai pris une petite bouchée, salée. Bye bye, à l'année prochaine, Festival de la Poutine! Woo!